Alors, vous aimez les figures de style, ça tombe bien parce que Victor Hugo, il adore ça. Il y en a partout. On va essayer d'en reconnaître six dans un passage que je vous ai choisi. Il s'agit de la description d'une famille. La famille. Ah non, je ne dois pas dire le nom réel parce qu'à ce moment-là, ils s'appellent la famille Jondrette, ces gens. Ils ont emprunté un nom. Ils veulent surtout pas que les autorités les rattrapent parce qu'ils ont commis un certain nombre d'actes répréhensibles. C'est la famille Thénardier. Allez, je vous le dis. Il y a deux grandes sœurs et puis il y a un enfant, un garçon de 11-10 ans qui préfère ne pas vivre avec eux. Vous allez voir pourquoi. Son père ne songeait pas à lui et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ces enfants dignes de pitié entre tous, qui ont père et mère et qui sont orphelins. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Là, voilà la première figure de style. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Alors, je vois bien que ici, le pavé et le cœur ont un point commun, c'est qu'ils sont durs. Le pavé est dur, vous savez ce que c'est le pavé? C'est en pierre, bien sûr, donc c'est dur. Et le cœur, il est dur aussi. Qu'est-ce que c'est cette figure de style? Ce qu'on veut décrire, ce dont on veut parler, c'est quoi? C'est du pavé ou du cœur? Bah, c'est du cœur de la mer, c'est le sujet, c'est le thème, le cœur de la mer. Donc le cœur de la mer, c'est le comparer. C'est de ça qu'on parle. On le compare avec quelque chose, c'est le comparant, ça va être le pavé. Et au milieu, on met un mot de comparaison. Alors c'est quoi ici? D'habitude, dans la com, c'est pratique, mais là, c'est un peu la figure de style la plus difficile à repérer, je trouve. Victor Hugo aurait pu écrire, le cœur de sa mère était aussi dur que le pavé du trottoir. Non, il n'a pas choisi ça, il a enlevé ce comme, il a choisi autre chose pour une fois. Et le mot de comparaison, alors je vais prendre moins que. C'était la première figure de style. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Dans la vie d'un coup de pied. Alors oui, c'est possible qu'il lui ait donné un coup de pied au derrière pour qu'il file, pour qu'il s'en aille. Mais ils l'ont jeté dans la vie, un peu comme si c'était définitif. Donc je crois que d'un coup de pied, c'est plus une image, c'est pour dire que c'était comme un coup de pied. C'était violent comme un coup de pied. C'était cruel, comme un thé brutal, brusque comme un coup de pied. C'est ça que ça veut dire. Alors là, j'ai pas le ils l'ont jeté dans la rue aussi violemment que s'il lui avait donné un coup de pied. Il me manque tout ce que j'aurais dû avoir pour bien comprendre. Victor Hugo, il est allé directement à son mot. Hein, on n'a pas de comme, on n'a pas de plus que, moins que, aussi que. Et donc, si j'ai pas de mot de comparaison, si j'ai pas le comparé, si je n'ai que le comparant, c'est-à-dire l'image, pas une comparaison, c'est l'autre qui est très fréquente, c'est la métaphore. Il n'avait pas de gîte. Le gîte, vous savez ce que c'est? Pas de pain, pas de feu, pas d'amour. Bon, là, apparemment, Victor Hugo a voulu faire du style. C'est ça, une figure de style, c'est quand on essaye de produire un effet. Pas ceci, avec un nom commun, le gîte. Pas de cela, nom commun, du pain, virgule à chaque fois. Pas de feu, pas d'amour, j'en ai quatre. Le fait que j'ai quatre mots de la même classe grammaticale, même nature, séparés par une virgule, vous savez comment ça s'appelle? Oui, c'est une énumération. Pourquoi? Il faut toujours se dire, une fois qu'on a trouvé, ça sert presque à rien. Le jour du brevet, le jour du bac, si vous trouvez la figure de style, on va dire, ouais, très bien, il a appris. Mais est-ce que vous êtes intelligent pour autant? Ben non. Parce qu'il faut aller dire pourquoi Victor Hugo l'a utilisé. Pourquoi Victor Hugo utilise il n'a pas de maison, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi se chauffer, il n'a pas de tendresse familiale. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur ce pas? C'est pour montrer que Gavroche est plongé dans la misère la plus extrême, dans le dénuement le plus total. D'accord? C'est le titre, il insiste sur la misère de cet enfant. Mais il était joyeux parce qu'il était libre. Pourtant,
si abandonné que fût cet enfant, il arrivait parfois, tous les 2 ou 3 mois, qu'il disait « Tiens, je vais voir maman !» Alors, il quittait le boulevard, descendait au quai, passait les ponts, gagnait les faubourgs, atteignait la Salpêtrière et arrivait où ? Bon, là, je vois bien que Victor Hugo a également agencé, mis ses mots dans un certain ordre spécial, puisqu'on a, il quittait le boulevard, il descendait, il passait, il gagnait, il l'atteignait, avec des virgules. Vous remarquez qu'à nouveau, le mot, c'est la même nature à chaque fois, parce que c'est là, ce ne sont plus des noms comme gîte, pain, feu, amour. Cette fois-ci, on a quittait, descendait, passait, gagnait, atteignait. Il s'agit de verbes. On a à nouveau une liste avec des virgules de mots de la même nature grammaticale. Il s'agit d'une énumération. Et on ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on se dit ? Pourquoi une énumération à ce moment-là ? Alors, le petit Gavroche, qui a 11-12 ans, il habite à Paris, et il quitte le boulevard, il descend jusqu'au quai de la Seine, il passe sur les ponts, il va dans les faubourgs, on dirait aujourd'hui dans la banlieue, et il atteint, voilà. Alors c'est pour montrer quoi ? C'est pour montrer que cet enfant, bah, ça met longtemps tout ça. On est en train de retracer sa trajectoire, il parcourt toute la ville, il traverse Paris. Ça insiste, cette énumération insiste sur le fait que cet enfant, bah, il se débrouille tout seul. Il est courageux. Il est abandonné aussi, puisqu'il fait ça tout seul. Et arrivé où, précisément, à ce double numéro 50-52 que le lecteur connaît. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la Masure étaient une famille de 4 personnes, le père, la mère et 2 filles déjà assez grandes, tous les 4 logés dans le même galetas. Cette famille n'offrait au premier abord rien de très particulier que son extrême dénuement. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler Jondrette. Cette famille était la famille du joyeux va-nu-pied. Alors, il y a des mots comme ça qui sont certes des figures de style, mais qu'on utilise tellement souvent qu'on ne s'en aperçoit plus. Va-nu-pied, c'est pas du tout Hugo qui l'a inventé. En général, une figure de style, sauf si l'auteur est pas très original, c'est l'auteur qui, pour la première fois, a envie de mettre ces mots comme ça. Va-nu-pied, on va l'analyser aussi, même si c'est un mot qui est dans le dictionnaire. Alors, ça m'intéresse de voir ce que vous allez penser de va-nu-pied. Un va-nu-pied. Alors, c'est un mot un peu bizarre parce qu'il y a un verbe dedans, va. Et ensuite, il y a un complément de manière, il va avec, de moyen, avec ses pieds nus. Qu'est-ce que c'est que un va-nu-pied ? Ça désigne quelqu'un. Est-ce qu'il va obligatoirement les pieds nus, à votre avis ? Gavroche, en fait, il a des galoches, hein, non, des vieilles chaussures trouées, trop grandes pour lui, qui ne servent plus à grand-chose, qu'il est obligé de traîner un peu. Mais je crois pas qu'il aille nu-pied à cette époque-là. Ça veut tout simplement dire qu'il est très très pauvre, qu'il n'a pas les moyens de se payer des chaussures. Donc un va-nu-pied, quelle est la figure de style ? J'ai déjà donné l'interprétation. Le va-nu-pied, c'est un mot qui remplace un autre mot. Peut-être que c'est une métaphore. Il y arrivait et il y trouvait la détresse. Et ce qui est plus triste, aucun sourire. Le froid dans l'âtre. Et le froid dans les cœurs. Nous avons oublié de dire que sur le boulevard du Temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. Pourquoi s'appelait-il Gavroche ? Probablement parce que son père s'appelait Jondrette. Casser le fil semble être l'instinct de certaines familles misérables. Casser le fil, c'est ce que font les familles misérables. Remplaçons casser le fil, eh bien briser les liens, mais ça c'est encore une figure de style. C'est quoi la réalité ? Parce qu'il n'y a pas un vrai fil entre les gens, pas un fil matériel qu'on peut toucher. Casser les liens, ouais, ou bien rompre, mais rompre ça reste encore un petit peu trop physique. Alors ça pourrait être quoi ? Ne pas s'occuper ? Ne pas s'occuper de ses enfants, abandonner ses enfants, c'est ça que font les familles misérables. Donc j'ai remplacé une expression par une autre. Il s'agit bien d'une image qui s'appelle métaphore. Merci.